C'est lui. Prends la caméra, prends la caméra. Vous êtes bien monsieur Pépé Carvalho? Pas du tout, je suis le gérant de l'immeuble. Ce pauvre minable ferait beaucoup mieux de me payer tous les loyers qu'il me doit, au lieu de s'amuser à faire l'imbécile devant la caméra de télévision. Bonjour. C'est vous, chef. C'est prêt, hein? Eh bien, je l'ai faite comme vous l'aimiez, hein? Un peu d'oignon, une pointe d'ail et de persil. Ah, vous allez voir, c'est chier. Je peux goûter? Oui, mais attention, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est pas mal. Juste un peu brûlé, mais c'est bon. Ben, vous êtes dur, chef. C'est extra. Et encore, c'est rien par rapport aux haricots et aux veaux que je vous ai fait. Là, vous allez vous régaler, hein? Les grands talents sont muets, biscouteurs. Allez, serre-nous-en une assiette. Hein? Et raconte-moi tes péripéties nocturnes. D'accord. Mais ça fait plus de 4 heures qu'on est là. On l'a toujours pas vu. Et tous les deux, on a la dalle. Ah ouais, tu peux le dire. Ben ouais, on va y aller. Vous avez qu'à nous envoyer quelqu'un. Putain, c'est chaud. Je sais pas si j'arrive au bout, voyez. Voilà. Je sens qu'on va se régaler. Donne-moi ton assiette. Tu dois t'acheter une cuillère pour faire le service, tu sais, parce que celle-là, même si tu la tiens de ta mère... J'ai eu aucun mal à m'introduire dans l'appartement. Le verrou était même pas tiré. Et de la Maza, où il était? À une réunion des alcooliques anonymes. Comme tous les soirs depuis l'assassinat de sa femme. Attendez, c'est pas fini. J'ai trouvé ça dans la table de nuit de la chambre conjugale. Et après? Ben, j'ai pris l'ordonnance et puis je suis allé dans une pharmacie. Et figurez-vous que la mère de la Mazza souffrait d'une sclérose en plaques à un stade très avancé. Chapeau, biscouter. Ça vous trouve le cul, chef. De la Mazza en fait trop avec la presse. Débrouille-toi pour savoir s'il n'a pas un contrat d'assurance vie. Mais ça, c'est un truc très confidentiel, chef. Le tiroir est bourré de fausses cartes professionnelles. Vas-y, serre-toi. Plus jamais, moi, je suis tranquille, hein. Jamais. 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 Oh! Tu voudrais pas que j'aille répondre au téléphone, non? Tu vois bien que je suis en train de manger. Oui? Nathalie Jaoma? Ça vous dit quelque chose, chef? Oui? Bien, tenez. Carvalho! Et c'est lui! C'est Carvalho! La caméra, allez, mène-toi! T'es bon? Perdons pas de temps. Le câble, donne-moi du câble. Monsieur Carvalho, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre enquête? Vraiment pas de peau. S'il vous plaît, monsieur Carvalho, ouais, pouvez-vous nous dire où vous en êtes dans l'affaire du tueur de femme? Est-ce que vous avez une piste concernant l'assassin? Putain de sa mère! J'en foutrais d'un gérant d'immeuble. Ça t'amuse de traîner la police dans la boue, hein? C'est pour ça que vous m'arrêtez? Mais qui a dit que je t'arrêtais? C'est l'article du Dessous qui m'intéresse. Est-ce que tu sais qui était Jaoma? Je l'ai lu dans l'article. Non, oh, arrête de faire le malin, Pépé. On a retrouvé Jaoma dans sa garçonnière avec une balle dans la nuque et une petite culotte dans la poche. Et c'est la version officielle. Belle mort pour un fétichiste. Un fétichiste qui était grand amateur de putes comme toi. Pourquoi vous me racontez tout ça, commissaire? Il faut que tu me rendes un service. T'es une vraie vedette, Pépé. On se demande pourquoi, mais en tout cas, c'est sûrement pour ça qu'elle t'a appelé, Nathalie Jaoma. Alors tu vas lui dire que son mari a été assassiné par une pute, et un point, c'est tout. Tu pourrais faire ça? Et où est-ce que vous m'emmenez? Tu voulais aller chez Nathalie Jaoma, non? Eh ben, on y va. Et n'allume pas ton putain de cigare, parce qu'ici, on fume pas. Renifleur de braguette, n'essaye pas de venir fourrer ton nez dans cette affaire, sinon tu vas te retrouver dans les journaux, mais cette fois dans la rubrique nécrologique. Merci pour le taxi, commissaire.
présente mes condoléances, Madame Jaoma. Malgré tout, je l'aimais encore, vous savez. Je suppose que vous ne m'avez pas fait venir uniquement pour me parler de vos sentiments. En vérité, cela me fait mal d'enterrer mon mari dans de telles circonstances. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que l'on fasse tout pour enterrer cette affaire avec lui. De qui voulez-vous parler ? Mon père, qui use de toutes ses influences et mobilise tous ses efforts pour que l'affaire ne s'ébruite pas. La Patnay, qui ne veut surtout pas se voir éclaboussée par une histoire aussi sordide et qui est prête à acheter mon silence à prix d'or. Et aussi la police, qui feint de se satisfaire d'une version à laquelle je ne crois pas une seconde. Pourquoi ? Vous vous sentiriez moins blessée si ce n'était pas une prostituée qui avait assassiné Antonio ? La situation ne vous autorise pas à être vulgaire. Cependant, c'était une vraie question, Madame Jaoma. Enfin, pour quelle raison voulez-vous qu'une prostituée abandonne ses dessous dans la veste d'un homme qu'elle vient d'assassiner ? Les prostituées, Madame Jaoma, sont des femmes comme les autres. Elles peuvent perdre la tête sous le coup d'une émotion. Pourquoi vous êtes-vous adressée à moi ? À Barcelone, il y a des détectives beaucoup plus réputés. Suivez-moi. C'était la grande manifestation contre Pinochet, à Paris. C'est là que j'ai rencontré Antonio. Vous avez beaucoup changé. Je parle du style, bien sûr. Qu'attendez-vous de moi, exactement ? Tenez. Ce que je peux vous dire, c'est que si Antonio n'avait pas eu un grave problème, il ne lui serait jamais venu à l'idée d'appeler un détective. Quel genre de problème ? Professionnel ? Il ne parlait jamais de son travail à la maison. Le 17 juin, c'était la veille de la mort de votre mari. Exact ? Oui. Qui est ce Romberg ? C'est un expert comptable qui travaille pour la Patnay en France. Il est venu plusieurs fois ici. Je crois que c'était l'ami d'Antonio. Enfin, si tant est qu'on puisse se faire des amis entre deux avions, une réunion à Paris et un voyage à Amsterdam. Oui, la solitude du manager. Vous permettez ? Ça veut dire que vous acceptez ? Je ne sais pas encore. Je suis déjà sur une autre affaire. L'affaire du tueur de femmes ? Allez. Donne-moi un billet de loterie. Tous, si tu veux. Un seul. J'ai pas encore trouvé le temps de m'occuper de ton tueur. Oublie ça, je suis sur un autre coup. Il a été assassiné dans sa garçonnière. Tu le connais ? On l'a tué à coups de couteau ? Non. Une balle dans la nuque, au silencieux, propre et net. Alors si c'est avec un flingue, c'est pas moyen. Non, les mecs et les putes préfèrent faire ça à l'arme blanche, d'habitude. Oui, mais il était pourtant avec une prostituée qui a bêtement oublié sa culotte dans la poche de sa veste. Sa veste à elle ? Sa veste à lui. En tout cas, je connais pas une seule pute du Barriocino qui abandonne sa culotte. Et la pute qui est sur la photo, je la connais pas non plus. C'est pas une pute, Bromure, c'est la veuve. Ah. Tiens. Bravo ! Oui. On parle de vous, là. Oui, je sais, oui. Ricardo de la Maza remplace la police par le détective privé José Carvalho. L'affaire du tueur de femmes a pris cette semaine une nouvelle ampleur. Tu parles d'une entreprise. Notre rédaction a été informée par le mari de la dernière victime, Monsieur de la Maza. Non, rigolez pas, les filles. Notre rédaction a été informée par le mari de la dernière victime. C'est forcément vrai. Et Torero, on parle de toi là-dedans. La première qui me parle encore de cet article, je lui tiens sa perruque en verre. Tu risques pas, mon grand. On se verra. Non, c'est pas le moment. Je patouche dans ma déclaration d'impôt. Achète une poissonnerie, c'est plus facile à gérer. Dis-moi, j'aimerais savoir si tu as déjà vu cet homme dans ta boîte.
Ça a un rapport avec ton tueur? Non, c'est Antonio Jaume. Il a été assassiné hier par une prostituée. Sa tête me dit rien du tout, mais je demanderai aux filles si elles le connaissent. Apparemment, c'était quelqu'un d'important. Et la fille à côté, qui c'est? Une autre putain? Un petit peu de respect, Charo. C'est la veuve de Jaume et ma nouvelle cliente. Une ancienne gauchiste qui s'est convertie en bourgeoise rangée. Et bien sûr, ça t'excite. J'avoue qu'il y avait longtemps que je n'avais pas approché une femme de sa classe. Chut. Je te déteste, Pépé. Voyons, mon petit cœur. Tu sais bien que je ne mêle jamais les affaires et les sentiments. Tu veux bien m'aider? Je vais voir ce que je peux faire. Un coup de main? Non. Je t'ennuie? Non, mais maintenant, tu t'en vas. Un baiser, tu t'en vas. Deux. Chef, les De la Mazza ont contracté une assurance vie quand ils ont acheté leur appartement il y a 5 ans. De combien? C'est fou ce qu'on peut faire avec ça. De combien? 40 millions de pesetas. Magnifique, biscuitaire. Et tu avais le contrat, bien sûr. J'ai mieux que ça. Carmen. Elle m'a fait des photocopies. Une, deux... Et trois. Oh, très bon travail. C'est à quelle heure, la réunion des alcooliques anonymes? Les alcooliques anonymes? C'est ça, les anonymes, oui. Qu'est-ce que tu fais? Je savais pas que tu étais catholique. Non, je suis pas catholique, mais je suis superstitieux. Puis on sait jamais. Allez, dépêche-toi. Non, non, non. Moi, je reste ici. Les alcooliques, ça me fout le cafard. Et quand j'ai le cafard, j'ai envie de boire. Allez, tiens. Merci. Je vais faire une petite sieste. Vous avez trouvé l'assassin de ma femme? Arrêtez ça, de la massa. Vous avez assassiné 3 femmes, y compris votre épouse, pour 40 millions de pesetas. Vous êtes devenu fou. Si j'avais fait ça, pourquoi est-ce que je vous aurais engagé?
qui se méfierait d'un homme qui accuse la police de laxisme et qui engage un détective privé pour retrouver l'assassin de sa femme. Allez, à vous, De La Maza. Ma femme souffrait le martyre. Et je pouvais plus le supporter, c'était trop dur. Ce soir-là... Oui, ce soir-là, j'avais beaucoup bu. Beaucoup. Je suis allé à la pharmacie pour chercher des médicaments. Et juste devant moi, il y avait une femme que j'avais jamais vue. Et j'ai entendu qu'elle avait le sida. Et tout à coup, l'idée m'est venue. Comme une révélation. Je l'ai suivie dans la rue et je l'ai étranglée. Tout était évident dans ma tête. Et j'ai attendu presque 3 semaines avant de repérer celle qui serait ma 2e victime. La pauvre femme avait un cancer de l'utérus. Je l'ai étranglée devant chez elle le soir même. Après ça, je pouvais tuer Maria sans être soupçonné. J'avais fini par la détester. Un tuyau de toute première main. Un de mes vieux copains, celui qui tient un hôtel de poste dans le Barrio Chino, tu te souviens? Tu sais, l'ancien mec du Barrio Chino, le gars... Tu me raconteras ta vie plus tard, pour mûr. Ma vie libre et riche. Mais pour toucher les 40 millions de l'assurance, il fallait que Maria meure par accident. Je te résume alors. Il a eu le plaisir de trouver le cadavre d'une pute dans une de ses chambres. Elle était camée jusqu'aux yeux et d'après ce que m'a dit la police, il s'agirait d'une overdose. La police? Tu bosses pour les stupes maintenant, Maria, toi? Je l'ai tué aussi pour qu'elle ne souffre plus. D'ailleurs, ces femmes aussi souffrent. Tu fais comme tu le sens, Pépino. Mais je te signale qu'elle n'avait pas de culotte. Non. On devrait pas. Le commissaire Contreras est là? Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure, renifleur de braguette? Je viens vous proposer un marché, commissaire. Et pourquoi je perdrais mon temps avec toi alors qu'il y a un match de Coupe d'Europe à la télé? À vous de voir. Mais si en ouvrant votre journal demain matin, vous gerbez votre café, ne comptez pas sur moi pour payer la note du pressing. Explique-toi un peu mieux. Hein? Qu'est-ce que tu mijotes? J'ai trouvé le tueur de femme, je sais qui c'est. La suite dépend de vous. Ou je vends chèrement le scoop à la presse, ou je vous le livre ni vu ni connu. En vous laissant tout le bénéfice de l'enquête. Choisissez. Et en échange, tu veux quoi? Que j'assassine le cardinal de Barcelone? Je veux que vous me disiez tout à propos de la fille qui est morte d'une overdose. T'es déjà au courant, toi? Je suis désolé, commissaire, mais j'ai l'impression que mes indices sont plus efficaces que les vôtres. Et qu'est-ce qui me dit que t'es pas en train de te foutre de ma gueule? Rien. Elsa Fontaine, une petite pute grande classe qui s'est payée un aller simple pour l'enfer. Comment peut-on mourir ainsi, quand on est l'image même de la vie? Ah, d'une overdose d'héroïne pure. Mais à ta place, je la pleurerai pas trop. Non seulement cette garce n'avait pas de culotte, mais dans sa chambre, on a retrouvé le portefeuille de Jaume, sa carte de crédit, et surtout, ce qui est le plus important, l'arme du crime. Je peux? Oui. Si tu veux la draguer, c'est un peu tard, non? Non, personnellement, je m'en tape.
française. Oui, française et très méticuleuse. Regarde-moi ça, c'est imbécile. Elle avait même noté son rendez-vous avec Jaoma, tu vois? Drôle d'idée. Et ça, plutôt curieux, non? Si elle n'était pas morte d'une overdose, elle serait tranquillement en train de s'envoyer en l'air à l'heure qu'il est. Hein? Comme vous dites, commissaire, plutôt curieux. Tu me prends vraiment pour un con, hein? J'ai vérifié, qu'est-ce que tu crois? Et je peux te dire qu'à l'hôtel Sofitel, il n'y a aucun mystérieux DR. Parce que ce n'est pas le Sofitel de Barcelone, mais celui de Paris, commissaire. Qu'est-ce qu'il a fait le commissaire Contreras quand tu lui as amené de la Maza? Il doit préparer les valises. Eh ben, on va quelques vacances à Paris. À Paris, comment? En avion, hein? Je vais y aller comment sinon? Oh, mais c'est loin, Paris, non? Mais vas-y, n'embarque pas un jambon dans la valise. Comment ça va, pour qui tu me prends? Allez, viens, biscuit, j'ai une bonne table pour toi. Je reviens tout à l'heure. C'est ton grand plaisir, ça. Je passerai toutes mes nuits à t'embrasser. Non, de venir faire le macho devant les clients, ça te plaît? Ça me plaît qu'on sache que tu es à moi. Ah, au fait, je me suis renseignée auprès des filles. Les seules qui ont vu ce Jaoma l'ont vu dans le journal. Jaoma? Qu'est-ce que ceci de Jaoma? Oh, arrête! Ça va pas, non? T'as vu l'heure qu'il est, colonel? Non, attends, Pépé, je te rappelle que c'est toi qui m'as appelé, en pleine nuit, en plus. Je dois être à l'université à 10h, parce que je travaille, moi, tu sais. Je vous en prie. Voici Elena, l'une de mes plus brillantes étudiantes en économie politique. Elle prépare sa thèse sur le néolibéralisme européen. Je suis ravie de vous rencontrer, monsieur Carvalho. Tu peux m'appeler Pépé, ma belle. Un café? Oui. Oui. Le petit timonier ne méritait pas ça. C'est toi qui lui avais donné mes numéros de téléphone? Il m'avait appelé il y a une quinzaine de jours pour me les demander. T'aurais pu me prévenir? Il était... non, non, merci. Il était vivant. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Tu veux rire, colonel? Quand on passe de militant révolutionnaire à dirigeant d'une multinationale, à mon avis, il y a toujours des raisons de s'inquiéter. N'est-ce pas, Elena? Oui. Tu veux pas t'asseoir? Merci. Eh ben, Pépé, toujours aussi rapide ton café, hein? Bon. Merci. Du sucre? Alors dis-moi, Pedro, que fabrique exactement la Pétenay? Des parfums, des liqueurs, des produits pharmaceutiques, du papier, des revues People, et même la langouste que tu manges pour peu qu'elle soit congelée.
Des avions de chasse, des bombardiers, des systèmes de communication de très haute technologie. Enfin bref, toute la panoplie néolibérale, indispensable pour étouffer le tiers-monde. Et Jaoma faisait quoi précisément dans cette boîte? Eh bien, le manager et l'homme public, le gérant de l'entreprise. Jaoma était celui de la filiale espagnole. Et comme dans toute multinationale, il avait au-dessus de lui un super manager, au siège central à Paris. Un certain Martin Gozax. Le grand patron? Non. Il s'agit d'une structure pyramidale. Au sommet, il y a un personnage occulte qui dirige l'Empire tout entier. Tu sais qui c'est? Très peu de gens le savent, mais... pour la préparation de ma thèse, j'étais amenée à consulter Internet. Et j'ai eu accès à la comptabilité des multinationales les plus importantes. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai pu découvrir qu'à la fin de l'année dernière, la filiale espagnole de la Pettenay a fait état d'un très gros mouvement de capitaux qui a doublé son chiffre d'affaires. Est-ce que tu sais d'où provenait cet argent-là? Non. Mais si vous voulez, je pourrais essayer de le savoir. Merci, ça me rendrait vraiment service. Désolé, je suis en retard. Ne t'inquiète pas, Pépé, tu n'as pas raté grand-chose. Cela dit, sur le plan économique, les funérailles d'un grand patron sont toujours très révélatrices. Des politiques, des chefs d'entreprise, des banquiers, des flics. Ça ne t'impressionne pas, tous ces milliards rassemblés autour des restes d'un ancien gauchiste? Il y en a beaucoup moins qu'à l'enterrement de Franco. Et lui, c'est qui? C'est Martin Gozax, le manager parisien de la Pettenay. Elena m'a montré une photo de lui qui avait fait la couverture de l'Express. C'est un phénomène, ce type. Et Romberg, tu peux me dire la tête qu'il a? Oh, ça, j'en sais rien. Monsieur Carvalho, pourrais-je vous parler un petit instant? Mais bien sûr, madame. Merci, Pedro. Je vous remercie de m'avoir aidé, monsieur Carvalho. Je vous ai adressé un chèque de 500 000 pesetas à votre domicile pour les frais que vous avez engagés. Quels frais? Je commence à peine mon travail. Alors ne faites rien de plus, je vous en conjure. Antonio est mort là où il avait pêché. Le reste n'a strictement aucune importance. La Pettenay paye aussi bien que ça? C'est dommage, parce que je crois que j'ai une piste. Quelle piste? Qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant? Vous avez déjà pris votre décision, non? Il m'est encore possible de rendre l'argent à la Pettenay. N'en faites rien, madame. De toute manière, avec ou sans votre accord, j'irai au bout de cette enquête. Alors soyez très prudent, Carvalho. Ne vous en faites pas, je le saurai. Écoute ça. Sous certains aspects, je l'ai trouvée presque parfaite, si bien que j'ai même envisagé d'en tirer une nouvelle. C'est magnifique. C'est sûrement pas toi qui écrirais quelque chose d'aussi beau sur moi, Pépé.
parce que je savais que je n'avais pas mon pareil pour tomber en extase devant la prose. J'avoue qu'il ne m'a pas été trop pénible de déchirer en petits morceaux tout ce que je venais d'écrire et de le jeter à la poubelle. John Fante, mon chien stupide. Je comprendrai jamais cette manie que tu as, Pépé. Moi non plus. C'est d'ailleurs le propre des manies. Jean? Je pars demain pour Paris, tiens alors. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris, toi? Je dois y aller parce que c'est là-bas que se trouve le siège de la Pétenay. C'est également là-bas qu'habite Tromberg et qu'habite Elsa, la fille qui a tué Antonio Jaume. Et ça te suffit pour décider d'y aller? J'ai beaucoup de mal à croire que cette prostituée soit morte d'une overdose à son premier shoot. Pourquoi ce serait impossible? Les drogués meurent souvent d'une overdose. Parce que j'ai vu ses bras. Pas une piqûre, pas un hématome. Rien à voir avec les bras d'une junkie. Et justement, c'était la première fois et elle ne savait pas comment il fallait doser l'héroïne. Ça fait beaucoup de hasard. Tu sais quelle est la principale activité de la Pétenay? Non. La vente d'armes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Fais attention, Pépé. Tu sais pas où tu mets les pieds, là. C'est pour ça que cette affaire commence à me plaire, justement. Et la belle-veuve? Elle vient avec toi, la belle-veuve? Ton intérêt pour moi est à la baisse. Je me souviens d'une époque où c'est la première question que tu m'aurais posée. Ne change pas de sujet. Elle part avec toi, oui ou non? Malheureusement, non. Maintenant, si ça te fait plaisir, tu peux toujours venir me rejoindre à Paris ce week-end. Pourquoi faire? Pour t'aider dans ton enquête ou pour repasser tes chemises? Pour faire l'amour, idiote. Pour le reste, j'ai déjà biscouter. Ça te plaît, cet hôtel, biscouter? Ah bah oui, c'est bien. J'espère. 5 étoiles. Hein? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Deux chambres communicantes, s'il vous plaît. Oui. Désolée, monsieur, je n'en ai plus aucune de disponible. Par contre, j'ai une suite avec une chambre de service. Ce sera parfait, nous la prenons. Bien. Mais chef, ça doit être très cher ici. T'inquiète pas pour ça, biscuitaire, c'est madame Jaume qui paye. De plus, c'est ici qu'Elsa Fontaine avait rendez-vous avec notre fameux DR. Tu me suis, là? Élémentaire, mon cher Pépé. Qui c'est, ce DR? Bah, je sais pas, moi. Pour qui tu travailles, toi? Je sais pas, moi. La clé, s'il vous plaît. Oui, je voudrais parler à monsieur Romberg, s'il vous plaît. Pépé Carvalho. Non, il ne me connaît pas. Mais je voulais lui faire savoir qu'Antonio Jaume a été assassiné à Barcelone. Oui. Si votre mari pouvait avoir la gentillesse de me rappeler à l'hôtel Sofitel. Bien sûr, oui. 01 47 07. Pata negra. Tiens, mais j'ai oublié mon mortier, moi. Pépé! J'ai même pas de frigo, moi. Je vais mettre tout ça dans ta chambre, hein. T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Bon, allez, on va enterrer ta nostalgie. Je vais te présenter Paris. Et range-moi ce chorizo. Tu seras bien content d'en manger, va. Allez. Pourquoi vous rigolez, chef? C'est ta casquette. Elle te va comme un gant de baseball à un manchot. Et alors? C'est mon neveu qui me l'a prêté pour le voyage, c'est la dernière mode. Reste plus qu'à espérer qu'on tombe pas sur Tarantino. Tarantino qui? Tarantino. Ah! Regarde. Qui? T'as bien un peu comme les légumes sont beaux ici? Oui. Hé, dis donc, toi. Eh ben, je constate que t'apprécies les Françaises, au moins. Oui. Les oranges. Marc. Elles viennent d'Espagne. Ouais, Espagne. C'est mon vieux. Allez, viens, traîne pas, arrête de rêver. Ça me va vraiment pas, chef. T'as l'air d'un vieux touriste espagnol qui voudrait qu'on le prenne pour un jeune.
Et comme ça? D'un jeune touriste espagnol. Oh, putain. Qu'est-ce qui va pas, Biscouter? Ah. Ça te plaît pas? Mais c'est pas bon, j'aime pas ça. C'est quoi le problème, hein? On dirait la nourriture pour animaux. Oh, là, c'est trop. La choucroute était pourtant délicieuse. Et le pain, tu l'as aimé, je crois, non? Tu as passé tout le dîner à en manger. Ça? Du pain industriel. C'est ta mère qui t'a acheté cette cravate? Oui. Ça se voit. Ah, Biscouter. Je me demande pourquoi je t'ai sorti de Barcelone. Tiens, ça c'est pour toi. Un message de votre hôtel, monsieur Carvalho. Merci. Romberg a appelé. Il me donne rendez-vous dans une heure au bar de l'hôtel. Si vous attendez quelqu'un. Vous poseriez un lapin à votre petite amie le jour de ses 30 ans, non? Deux coupes de champagne, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. C'est assez rare de rencontrer quelqu'un qui cherche à se vieillir. D'habitude, c'est plutôt le contraire, non? Ça fait 10 ans que j'ai l'air d'avoir 30 ans. Moi, je vous en aurais donné 18. C'est écrit quoi, là? Alexandra, nationalité française. Non, en dessous, là. Née le 22 juin 1968 à Paris, d'Isère. Et voilà. Alors, bon anniversaire, mademoiselle. Continue. Au prochain carrefour, tu tournes à droite. Là. Direction Vincennes. Là, tu prends à droite de nouveau. La porte. Doucement. Descends. Bouge pas. Le siège. Main derrière la tête.
Avance. Ne me tuez pas, j'ai tout détruit, je vous jure. Baisse les bras. Arrête-toi. À genoux. C'est pas ce qui était prévu. Vous deviez juste l'intimider. Il est temps que vous compreniez que vous ne décidez plus de grand-chose. Je partage pas vos idées, Florence. Je peux pas accepter ces méthodes. Pourquoi? Vous les trouvez indignes d'un énarque? Juste une précision. Vous êtes mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. Et si j'étais pas là pour nettoyer les saloperies, vous n'existeriez déjà plus. Tout est réglé, monsieur le député. Buenos días, hombre. Bonjour. Qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner? Des œufs au chorizo avec une tranche de pain revenue dans l'huile d'olive. Room service? Genre, je voudrais du café, des croissants et du jus d'orange pour la suite numéro 2. Merci. Tu sais, je me sens un peu coupable parce que normalement j'annonce mes tarifs avant. Et que là, tu me dois 1500 francs. Bravo. Tu es vraiment une grande comédienne. Non. Non, j'avais réellement rendez-vous avec un client hier soir. T'as de la chance, parce que normalement, je prends 3000 pour la nuit. Ah oui. Regarde sous ton oreiller. Celui-là. Oh, excitant. Depuis quand les jeunes guenons apprennent aux vieux singes à tortiller du croupion? Non. Elsa Fontaine. Ce nom dit quelque chose? Il faut que ça me tombe dessus le jour de mon anniversaire. Vous êtes de la mondaine? Non, je suis un détective catalan qui mène son enquête sur la mort très étrange d'Elsa Fontaine. Oui, entrez. Bonjour, messieurs, dames. Belle journée. Voilà. J'adorais cette fille. Elle avait tout pour elle. Tiens, bois. Un petit gorgée. Moi, je rêvais d'être danseuse. Puis j'ai fini.
J'ai fini par poser pour des peintres ringards qui pensaient qu'à une chose, c'était me tripoter gratos. Au moins, maintenant, les choses sont claires. Ça faisait presque un an qu'on travaillait ensemble, Elsa et moi. Dieter Ramberg, tu le connais ? Qui ? Ça ne fait rien. Aucune importance. Oui. Viens, je descends tout de suite. Tu sais presque tout de ma vie. Et moi, je connais même pas ton nom. Pépé. Je m'appelle Pépé Carvalho. Monsieur Ramberg ? Je commençais vraiment à désespérer de vous rencontrer, monsieur Ramberg. Vous n'aviez pas tort, seigneur Carvalho. Peter Romberg s'est suicidé dans la nuit. Mais d'après son agenda, ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Asseyez-vous. Je vais finir par croire que je porte la poisse. C'est un peu ce que laisse entendre le CV que j'ai reçu de Barcelone, monsieur Carvalho. Comment va ce cher commissaire Contreras ? Il vous croyait en Corse. Ah. 6 mois de prison ferme pour agitation politique et collusion avec des groupes armés. Vous n'avez pas eu la résistance en France, commissaire ? N'essayez pas de m'entraîner sur ce terrain, Carvalho. La France était occupée, pas l'Espagne. C'est une façon extrêmement personnelle de voir les choses. Mais c'est la mienne. D'après mes collègues espagnols, vous mettez un certain zèle à nuire aux intérêts des entreprises françaises en Espagne. Oh, ne soyez pas chauvin, commissaire. Une multinationale comme la Pétenay n'a pas de nationalité, par définition. Décidément, c'est une obsession. Conscience professionnelle. J'ai été engagé par Madame Jaoma pour enquêter sur la mort de son mari qui a été assassiné par une prostituée, laquelle s'est aussitôt empressée de mourir d'une overdose. Et le fait est que ils avaient tous les deux rendez-vous avec Ramberg ici même, dans votre capitale. Alors, mettez-vous à ma place, commissaire. Donc, si je vous suis, il y a un lien évident entre l'assassinat de Jaume à Barcelone et le suicide de Ramberg à Paris. Puisque vous le dites. Vous êtes un pervers, Carvalho, comme tous les privés. Le problème, c'est que Madame Ramberg venait de virer son mari pour vivre avec quelqu'un d'autre. On pourrait se suicider à moins. Alors qu'il venait de me donner rendez-vous. Tout dépend des raisons pour lesquelles vous vouliez le rencontrer. Ce n'est peut-être qu'une intuition, mais je suis presque sûr que Dieter Ramberg ne s'est pas plus suicidé que Martin Luther King ou que Che Guevara.
Madame Ramberg ? Oui. Je vous ai appelé il y a une demi-heure. Quatrième gauche, il est aussi. Je tenais à être le premier à vous présenter mes sincères condoléances. J'avais beaucoup d'affection pour Dieter. Il avait accepté ma relation avec Sarah. D'ailleurs, nous vivions tous les trois dans une parfaite harmonie. Jusqu'à ce qu'il disparaisse brusquement. Quand, exactement ? Il y a une dizaine de jours. Dieter m'a dit qu'il préférait s'éloigner un moment. Et vous ne vous êtes pas inquiétée ? J'ai pensé qu'il avait des ennuis professionnels, qu'il voulait nous épargner par délicatesse. Et puis, comme il téléphonait tous les jours pour donner des nouvelles... Vous saviez où il se cachait ? Non. Vous avez dit tout ça à la police ? À votre avis, Monsieur Carvalho, quel crédit croyez-vous que la police française accorde à une lesbienne dont le mari vient soi-disant de se suicider par dépit amoureux ? Le même qu'en Espagne, je suppose. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je souhaiterais rencontrer Monsieur Martin Gozax, s'il vous plaît. Qui dois-je annoncer ? Pepe Carvalho. Florence, Monsieur Carvalho. D'accord. Ok, je vais voir. Monsieur Carvalho, vous prenez le premier ascenseur, 8e étage. Merci. Bonjour. Ah, je sais pas, je vais voir s'il est dans son bureau, ne quittez pas. Monsieur Carvalho ? Bonjour, Florence, assistante de Monsieur Gozax. Enchanté. Malheureusement, il a peu de temps à vous accorder. Un dîner avec un gros client japonais. Dans moins d'une heure. Quelques minutes suffiront. Monsieur Gozax ? Merci. J'étais certain que c'était vous. Vous êtes le fameux détective privé. Chez moi, on m'appelle le renifleur de braguette. C'est moins ronflant, mais c'est beaucoup plus près de la vérité. Vous risquez d'être déçu. La Pettenay n'est pas la Maison Blanche. Très peu de braguettes à renifler. Ça ira, Florence. Je vous remercie. Si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Un whisky ? Oui, merci. D'après ce que j'ai compris, vous avez un peu le même passé gauchisant que ce pauvre Jaume. La nostalgie crée des liens, n'est-ce pas ? C'est sans doute pour ça que vous accrochez à cette affaire contre vents et marées. Non, je le fais surtout pour l'argent. Et aussi parce que je ne tiens pas les marchands d'armes en haute estime. Vous êtes bien renseigné. Vous savez, Jules César a dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. J'ai bien peur que ce soit toujours d'actualité. Dans certaines circonstances, les armes dont vous parlez sont l'indispensable rempart contre la tyrannie. Mais la question qui se pose est la suivante. Qui arme les dictateurs ? Pas la Pettenay, en tout cas. Nous sommes très puissants en Europe, vous savez.
pourquoi voulez-vous que nous transgressions les règles d'embargo international? Parce que précisément, ce sont les dictateurs qui paient le mieux. Vous êtes venu m'accuser de faire du trafic d'armes, monsieur Carvalho. Disons que vous ne m'inspirez pas confiance. Pourquoi avoir engagé un homme comme Jaume pour diriger la filiale espagnole? Les anciens gauchistes seraient-ils plus performants que les autres cadres supérieurs? Antonio était un manager très performant, c'est vrai. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de suivre de près le moindre conflit. Par exemple, il était incapable de refuser un congé à un travailleur qu'il sentait dans une mauvaise passe. Ne me servez pas l'éternel couplet sur la solitude du manager. Dites-moi plutôt si Jaume travaillait beaucoup avec Dieter Homberg. Bien sûr. C'était l'expert comptable qui gérait plus particulièrement la filière espagnole. Pourquoi? Vous êtes déjà au courant, je vois. La police a prévenu mon assistante en début d'après-midi. Et je vous avoue que je ne me sens pas très à l'aise. Pourquoi? C'est moi qui ai écrit la lettre pour signifier à Rombert l'arrêt de sa collaboration avec notre entreprise. Pourquoi l'avez-vous viré? Je suis pas sûr d'avoir à répondre à cette question, monsieur Carvalho. Rombert devait nous livrer l'état des comptes de la filière espagnole à la fin du mois dernier. Or, non seulement il ne l'a pas fait, mais il a brusquement disparu de la circulation. On a dû faire appel à notre expert comptable. Toujours sans obligation de réponse de votre part, pourrais-je savoir si Jaume vous avait appelé peu avant sa mort? Je commence à comprendre le bien fondé de votre surnom. Jaume voulait une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la Petnay. Quel jour? Le lendemain de son assassinat. Antonio Jaume, tu connais? En revanche, j'ai pensé au nom que tu avais prononcé ce matin. Dieter Homberg? Je crois que c'est le type qui avait essayé de sortir Elsa du business. C'est bien un fantasme de mec, ça. Et il a réussi? En tout cas, elle a arrêté peu de temps après l'avoir rencontré. Dis-moi, Alexandra, tu ne saurais pas où habitait Elsa, par hasard? Mais t'en as mis du temps à poser la question. Tiens, j'allais déposer ça pour toi à la réception de l'hôtel. Je suis si prévisible que ça. Quand un privé invite une pute à dîner, même dans le meilleur restaurant de la ville, c'est rarement pour la demander en mariage. Je suis entièrement d'accord avec toi, sauf sur le mot pute. Il te va aussi mal qu'un sac à main peut aller à un bois.
Allez, Alexandra, concentre-toi. Dis-moi si tu ne vois rien de bizarre, un nouvel objet, par exemple. Cherche pas, c'est PowerBook. Elle sait pas servir d'une calculette, alors un ordinateur. C'est bien ça. Et merde, il faudrait un mot de passe. Avec une pute? Pas exactement, mais je l'ai aidée à s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle est responsable d'une boîte de nuit autogérée. Une quoi? Une sorte de bar américain où tout le monde est payé de la même façon. De la gérante jusqu'à la femme de ménage. Mais ça, c'est un bordel communiste. C'est pas un bordel. Les clients n'ont que le droit de regarder. Mais interdiction absolue de toucher. Alors, c'est le paradis. Plus ou moins, oui. Dis-moi, hier soir, c'était uniquement par intérêt? Non. Charo et moi, on est très libres. Enfin, moi surtout. Et puis, je crois que tu me plais beaucoup. J'ai droit à une deuxième chance. Écoute, Alexandra, tu ne peux pas rester à Paris. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais tu cours un grand danger ici. Tu vas aller là-bas de ma part, hein? Tu y seras en sécurité. Pour le voyage. Bientôt, ma belle. Déjà là? Qui c'était cette pute que tu plotais dans la bagnole? Tu abordes des choses sans détour. C'est pour ça que je t'ai aimé tout de suite. Je croyais pourtant que c'était pour mon cul. Quelle drôle d'idée. Est-ce que t'as couché avec elle? Une seule fois, Charo, comme investissement dans semi-professionnel. Justement, c'est le côté semi-professionnel qui m'emmerde dans tes salades. Depuis quand tu couches avec tes indiques? Je couche seulement avec les indiques femelles de moins de 50 ans, ce qui permet de limiter considérablement les dégâts de Charito. Et est-ce que t'es amoureux d'elle? Si j'étais amoureux d'elle, tu crois vraiment que je l'aurais envoyée au tatouage? Qu'est-ce que tu dis? Sans même me demander mon avis, tu as envoyé cette pute chez moi? Charo, cette fille est en danger ici. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, hein? Et moi? Je compte pour toi. Oui. Viens, Charino. Viens. Tu m'attends une minute? Où tu vas? Donnez ça à Biscuiter. C'est l'ordinateur de Rambert. Demain, tu m'emmènes à Saint-Germain-des-Prés. Promis. Eh ben, c'est pas gagné, chef. Et ton stage d'informatique avec la NPE, c'est de la frime? Ben, je suis un dinosaure, moi. T'as oublié, toi? Un mammouth, oui. Ce truc renferme l'explication de la mort de Jaoma. Creçois la cervelle, Biscuiter. Il y a bien une solution, mais ça risque de coûter un mal. Vas-y, je prends. Bon, tu te souviens de Nana? Oui. La deuxième femme de mon demi-frère, hein, Juanito, celui qui a une double orchide. Oui, la double orchide, et bon, alors? Eh ben, eux, ils ont un fils qui a 17 ans, genre moderne, hein. Le gamin qui t'a refilé la casquette à oui, la mode. Oui, celui qui a des compteurs. Tu crois que demeurer pour nous aider à débloquer ça? Mais il y a un problème, c'est qu'il a pas un rond qui veut acheter tout le matériel qui sort, tu comprends? Bah, dis-lui qu'on lui paiera le modèle qu'il veut s'il trouve le mot de passe de cet engin. Bon, d'accord. Viens, j'arrive, Charito.
Ouais. Tu viens? Tiens, finis-le. Elle aime pas que je fume au lit. Merci, alors. Merci. Fais de beaux rêves, hein. Puis dès que j'ai un truc, je te réveille. Et n'oublie pas de te mettre des boules caisses dans les oreilles. Ouais, ouais, je d'accord. Je sais que des fois, tu l'aimais pas. On y a passé la nuit, mais on a fini par le niquer, chef. C'est vrai? Oui. De qui vous parlez? Ah non, 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 non. C'est rien du tout. Je parle de l'ordinateur, il était verrouillé. On n'arrivait pas, mais grâce à mon neveu, tu sais, le fils de ma demi-sœur. Mais quelle heure est-il? Bah, il est 8 heures. Oh, mais pourquoi tu me réveilles? J'ai encore envie de dormir. Tu veux pas un petit déjeuner? Putain, c'est pas vrai. Biscotteur! Oh non! Qu'est-ce que vous faites, chef? Vous allez tout m'effacer. Non, t'inquiète pas. Tu as le numéro du colonel? Ah oui? Bah, sors-le. Bien. 0043. Et après, 93, 417, 56, 63. Pedro? Bonjour, c'est Pépé. Oui, je te raconterai. Est-ce que tu crois qu'Elena pourrait rapidement vérifier si la Petney s'est servi de sa filiale espagnole pour vendre des missiles à l'Irak? Oui, je sais que c'est un peu gros, mais ça expliquerait d'où provenaient ces capitaux surgis de nulle part dont elle m'a parlé l'autre jour. Tout à fait. Hein? Elle est justement avec toi? Oui. Pépé, Biscouter, mais qu'est-ce que vous faites encore? J'arrive pas à dormir. À 11 heures. Ok, je te rappellerai. Biscouter, tu m'apportes mon petit déjeuner? Je t'embrasse. On les a eu. Non, laisse. Non, c'est moi qui les porte. Et toi alors, ça avance comme tu veux, tes affaires? Il y a un truc qui colle pas dans cette histoire. T'as pas Alexandra, Elsa Fontaine, t'es la petite amie de Romberg. Mmh. Tu me suis? Mmh. Et le fait qu'il ait choisi de cacher ses documents secrets chez elle semble le confirmer. Regarde, elle est géniale, non? Ravissante. Mais pourquoi Romberg aurait-il envoyé Elsa à Jaoma? Cadeau? Tu m'as bien dit que Jaoma avait un fait pour les putes. Bien. Tu as raison, Chalo. Romberg a envoyé Elsa à Jaoma pour transmettre un message confidentiel. Parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Mmh. Et où est-ce qu'il était, ce message? Dans sa petite culotte? Vous permettez? C'est une urgence. Non mais c'est dingue, ça! Bah dis quelque chose quand même, c'est ton portable! Bah oui, bah, c'est mon portable, le. Permettez. Il est pas gonflé, le mec. Bah vraiment, ils sont culottés, c'est dingue. Elena? Pépé, tu as trouvé quelque chose? Ça veut dire que Romberg avait raison. Une personne occulte derrière la Petney? Le député Anselme? Merci, Elena, tu es géniale. Embrasse le colonel pour moi. Merci. Non, enfin quand même. Excusez-moi, une urgence encore plus urgente. Ah non, 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 vous êtes gentil, hein. Si vous voulez téléphoner, il y a une cabine juste là, il y en a une autre là-bas, hein. Merci. Voilà, tiens, tu mets ça là-bas parce que... Allez, viens, il y a vraiment des gens bizarres ici. Mais eux, alors, je trouve que c'est de la sangère. Moi, je vais te dire, il y a un problème avec ce type. Tous les paquets, mais attends, il reste plus petit à Paris, mais ça n'a pas les moyens de s'acheter un portable. Tu crois qu'il est passé? Je sais pas, moi. Je vais téléphoner de la cabine, celle-ci là. On se retrouve à la boutique en face. À tout de suite. Oui, je voudrais parler à monsieur Martin Gozax. Il est en réunion?
Ça ne fait rien. Dites-lui que Pepe Carvalho a retrouvé les documents de Ramberg. Oui, Pepe Carvalho. Qu'il me rappelle au commissariat, s'il vous plaît. Bien, merci. Veuillez nous suivre sans faire d'histoire, s'il vous plaît. Charo, on se retrouve à l'hôtel. Faut que j'aille au commissariat. N'oublie pas les paquets. T'en fais pas. Attention, la tête. Ne me dérange sous aucun prétexte, Martine. Non, aucun prétexte. Oh. Primo, vous vous êtes permis d'interroger Madame Ramberg alors que vous n'êtes mandaté par aucune autorité. Secondo, vous aimez bien les putes, Carvalho. Je n'y peux rien, commissaire. Je les attire comme des mouches. Des mouches à merde, Carvalho. Qu'est-ce que vous foutiez avec Alexandra Tadjoui, qui, comme par hasard, travaillait avec Elsa Fontaine? Nous avons relu toute l'œuvre de Sartre. C'était fort agréable. Faites pas de malin, Carvalho. La pute a pris le premier avion pour Barcelone ce matin et quelque chose me dit que vous n'allez pas tarder à la rejoindre. Pour avoir présenté mes condoléances à Madame Ramberg ou pour avoir lu Sartre? Je ne vous aime pas, Carvalho. Je n'aime pas votre arrogance méditerranéenne. Vous n'avez plus rien à foutre en France. Ah, parfait. En clair, on peut dire que vous m'expulsez pour délit de sale gueule. Je comprends mieux maintenant. Merde ! Merde ! Allô ? Oui, monsieur Gauzax. Bien sûr, oui, je comprends. Oui ? Oui, je vous le rends tout de suite. Vous l'attendez en bas. Oui. Combien vous voulez, Carvalho? Est-ce que vous êtes sérieux? Vous m'avez bien dit que vous travaillez pour l'argent. Je suis désolé, mais les documents de Ramberg ne sont plus à vendre. Je sais maintenant que vous êtes passé par le député Anselme pour violer l'embargo et vendre des missiles à l'Irak. Ne soyez pas naïf, Carvalho. Les embargos sont faits pour être violés. Le propre d'une multinationale, c'est de faire des profits. Et vu le prix payé par l'Irak pour obtenir ces missiles, je peux vous garantir que si la PETNE ne l'avait pas fait, d'autres s'en seraient chargés. L'ennui, c'est que vous avez fait une erreur, monsieur Gauzax. On ne s'amuse pas à faire un coup pareil à un ancien gauchiste. Je suppose que quand Ramberg a prévenu Jaume, celui-ci a menacé de faire éclater le scandale. Juste un conseil. Rendez-moi les documents de Ramberg et acceptez la retraite dorée que je suis prêt à vous offrir. Avec en prime le droit de me taire. Vous savez pas où vous mettez les pieds, Carvalho. Les gens dont vous parlez ne jouent pas dans la même cour que nous. C'est une menace? Qu'est-ce que vous voulez, Carvalho? Je veux seulement savoir qui a tué Jaume, Elsa Fontaine et Dieter Ramberg. Au revoir, monsieur Gauzax. Lieutenant Chaya, police criminelle. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, mais j'ai ordre de venir saisir un objet chez monsieur José Carvalho. Je peux savoir quel genre d'objet? Un ordinateur portable. Je crois que vous faites erreur, lieutenant. Pepe est totalement allergique à la technologie informatique. J'ai pas dit que ça lui appartenait. C'est justement pour ça qu'il est actuellement en garde à vue. Pépé en garde à vue et pour quel motif, s'il vous plaît?
vol avec effraction, détention illicite de preuves pouvant entraver l'action de la justice. Votre ami a de gros ennuis, mademoiselle. Je ne comprends pas, je vous assure. Donnez-moi le numéro de la police criminelle, s'il vous plaît. C'est pas nécessaire. Excusez-moi, c'est une erreur. Monsieur, mais je peux vous offrir un cigare. Ah, c'est encore mieux. Ah. Vous voulez du feu? Non, je le garde. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Si on vous proposait une grosse somme d'argent en vous demandant en échange de mettre un mouchoir sur vos plus profondes convictions, qu'est-ce que vous feriez? Chez moi, il y a un proverbe qui dit comme ça. Lorsque la petite grenouille du marais hurle d'amour, le grand buffle s'en va en courant. Merci. Charo? Oui, Charo. Biscouter, qu'est-ce que tu fous? Lève-toi! Mais ça va, mais doucement, quoi! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin! Qu'est-ce que c'est que ces valises rentrées? Mais quelle valise? Tu savais bien que Charo devait rentrer directement à l'hôtel, non? Je me suis endormi après votre départ, moi je croyais qu'elle était avec vous, moi. Endormi? Tu veux dire abruti par l'alcool? Allô, oui? Qu'est-ce qui se passe, chef? Vous voulez revoir votre ami, ramenez-le à cet appartement. Oui, une seconde. 169 Quai d'Ivry. Non, attendez. Je veux entendre la voix de Charo. Pépé. Tu as 10 secondes pour me faire une copie de ces putains de documents. Je vais avec vous, chef. Non! Si je t'ai pas appelé avant 3 heures du matin, tu vas trouver Mougin et tu lui donnes la disquette.
Vous m'impressionnez. Les hommes fidèles sont rares. Avancez. Doucement. Posez-le là. Fidèle, mais un peu naïf. J'ai fait une copie du disque dur. Et il vaudrait mieux qu'il ne m'arrive rien si vous ne voulez pas qu'elle atterrisse à la brigade criminelle. Vous bluffez. Dans ce cas, vous pouvez me tuer. Vous ne tirez pas ? Alors vous avez perdu la partie, mademoiselle. Vous n'oubliez pas un détail ? Vous avez trouvé le mot juste. Ça n'est qu'un détail. Comment un détail ? Tu veux profiter de l'occasion pour te tirer avec ta pute, hein ? C'est ça ? Tu vas pas recommencer avec ta jalousie maladive, non ? Ose donc me dire le contraire ! Je le vois dans tes yeux, tu veux te débarrasser de moi ! Ne me provoque pas plus, Charo ! Mais... Bon, ça suffit maintenant. Encore un mot et je la bute. Espèce de salaud, va ! Quand je pense à tout ce que j'ai sacrifié pour toi toutes ces années ! Oui ! Passer à tortiller du cul devant une bande de malheureux. Et tu voudrais me donner des leçons de fidélité, hein ? J'ai dit ça suffit ! Bien joué, Charito ! Bouge pas ! Arrête ! Je vous demande de bien vouloir excuser le retard de votre très charmante assistante, Monsieur Gozax. Je vous avais prévenu, Carvalho. Si tu crois que je vais tomber toute seule, Martin, tu te trompes. Cette femme appartient à un mouvement néo-nazi extrêmement puissant en Europe. C'est eux qui ont négocié la vente des armes avec l'Irak. Et vous n'avez rien fait ? Ma seule erreur a été de croire que c'est la Petnée qui s'est servie d'eux et pas l'inverse. Il ne faut pas pactiser avec le diable, Monsieur Gozax. J'ai cru que je pouvais gérer la situation. Je me suis trompé. Je suis donc responsable de la mort de Jaume, de Rambert et de cette call girl. Et malgré tout, je continue à croire au rôle prépondérant du libéralisme dans notre société. Pourquoi ? Pour préparer le lit du fascisme ? Le lit est déjà fait depuis longtemps. Vous ne voyez pas que nos idées sont en train de gagner partout. Que vous le vouliez ou non, vous êtes déjà mort. Allez faire votre devoir, Carvalho. Sortez de là. S'il vous plaît. Ne faites pas ça, Monsieur Gozax. Vous avez bien réfléchi. Je vous en prie. Tu m'attends et tu me préviens quand le médecin légiste est arrivé. Tu restes là, tu bouges pas, tu me préviens quand le médecin légiste est arrivé. Attendez-moi ici.
aspects, monsieur le député. Carvalho. Je ne peux pas dire que vous ayez fait dans le détail. Deux juges d'instruction sont venus perquisitionner chez moi ce matin. Vous savez, je n'ai fait que remplir mon contrat, madame Jorma. Arrêtez votre numéro cynique de mercenaire. L'argent ne vous intéresse pas. Vous êtes un idéaliste. Un terroriste de la pensée, Carvalho. Vous croyez? Les détectives privés ont un surnom aux États-Unis. Vous savez lequel? The Eye. C'est tout ce que je suis. Un œil. Démantèlement d'un trafic d'armes à la Pétnay, un député français mis en examen, un groupe de néo-nazis poursuivi par la justice européenne. C'est pas trop mal pour un borgne dont le nom ne figure dans aucune déclaration de presse. Tout à fait entre nous, madame Jaume. Avez-vous rendu l'argent à la Pétnay? Non. Merci, Carvalho. À la mémoire d'Antonio. Tu nous sais que c'est la poulette que tu viens d'engager, Charo. Où est-ce que tu l'as déniché? Ah, bah, t'es jamais allé à Paris, toi. Là-bas, c'est tout des canons. En parole, quand tu vois ma mère à côté, c'est un boudin. Dis-moi la vérité, Pépé. Si cette dame de nazi m'avait tué l'autre soir, est-ce que tu serais vraiment parti avec Alexandra? Épargne-moi ton numéro de jalousie compulsive, tu veux bien? Attends un peu, tu t'es vu? Tu supportes pas que je regarde un autre type, même à la télé? Je rêve ou quoi? Tu peux me dire qu'il m'a balancé une gifle l'autre soir et sans aucune raison valable en plus? Une gifle sans aucune raison valable? Tu t'amuses à ploter une pute à pubère pratiquement devant moi et après tu voudrais que je t'accueille à bras ouverts? D'abord, je te signale qu'Alexandra n'est plus vraiment un pubère. Ensuite, comme je te l'ai expliqué, c'était purement professionnel. C'est vrai ça? Bien sûr que oui. Tu le sais très bien d'ailleurs. Sinon, cette nuit, jamais tu n'aurais pu être aussi convaincant. On est très forts tous les deux.